Bah voilà dans le 9ème, quand je viens à Paris, je te pose toujours mon sac ici. Super. Pour avoir un playlist. Alors nous voici à Âme et Esprit du Vin. J'adore cet endroit. Et c'est là où on va dégoter quelques petites pépites de vin bio. Mon premier vin bio, je m'en souviens absolument pas. Par contre, je me souviens du dernier. J'habite en Allemagne et il y a un resto français qui est extraordinaire qui s'appelle Les Valseuses à Berlin. Et c'est là où j'ai pu me régaler avec un Bourgogne bio. Alors là aussi, c'est presque un Bourgogne bio. J'adore l'étiquette, plutôt tendance. Moi, j'ai choisi les vins que pour les étiquettes tendance, surtout. C'est Pinot Noir, j'adore. Alors, quand je viens dans le 9ème, j'achète toujours mon vin chez Romain, à Âme et Esprit du Vin. J'adore ce nom, j'adore ce titre. Et il a toute une panoplie de vins bio, hein, avec des noms complètement dingues, parce que moi, j'achète surtout par rapport aux étiquettes et aux conseils de Romain. Notamment aujourd'hui, la cuvée Nadège de Gérard Hérault, domaine Rapatel, Pays du Gard. Donc, toute une panoplie de vins bio, mais celui-ci, c'est une belle concentration adaptée sur des couscous et des tagines, c'est juste magnifique. Prendre une cuite, c'est pas tout à fait mon truc. Je déteste être malade et surtout, je déteste ne pas sentir le goût du vin. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est attendre d'avoir faim pour commencer à boire le vin parce que j'ai des papilles gustatives qui sont toutes ouvertes. Et quand c'est comme ça, je prends le verre, je le sens, je fais croire que j'y connais quelque chose, mais j'y connais rien. Je le bois et simplement, je le goûte. Et ça, ça me rend dingue. Et je pense que ça me rend autant dingue que n'importe quelle cuite. Romane et Conti, écoute, je crois que je rêverais de déguster ça avec mon cher et tendre mari, mon amoureux, mon Apollon, et sans doute en haut d'une colline avec la vue sur le Luberon. Au grand réfractaire au vin bio, je dirais qu'un seul truc. Moi, ce que j'adore dans le vin, c'est pas qu'il soit bio ou pas bio, c'est qu'il soit bon. Et il y a un truc vraiment génial dans le bio, c'est quand on ouvre une bouteille de vin le lundi, on en boit un peu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tous les jours, le vin change. Il n'a pas le même goût, il évolue. Et ça, c'est un truc magique qu'on retrouve que dans le vin bio. C'est un vin qui évolue et qui se garde et qui est absolument incroyable jour après jour. Et ça, j'adore. Pour définir le plaisir de consommer, de savourer un vin bio, je dirais un plaisir changeant, un plaisir qui évolue, je dirais la multiplicité des plaisirs, non? On commence quoi, Romain? Ouais, c'est ça, vivant, on va dire. Vivant, génial, vivant.